Alléluia! Shalom, peuple de Dieu, bonjour. Merci de nous retrouver ce matin dans ce direct où nous nous retrouvons chaque samedi depuis le mois de janvier, les samedis à partir de 15h GMT, 10h de New York pour adorer notre Seigneur. C'est le rendez-vous des adorateurs. Et moi, je suis Noélie Elikim, votre hôte. Derrière moi, c'est mon frère, mon directeur musical, producteur, arrangeur et chanteur, Dr. Ray de Dr. Ray Music. Nous sommes ensemble ce matin, l'après-midi chez vous, bien sûr, en ce jour, pour chanter et louer notre Dieu. Nous voulons lui témoigner une fois par semaine, ensemble, que nous l'aimons et qu'il a fait de grandes choses dans nos vies. Pendant que nous nous préparons à rendre ministère encore, à vous conduire dans la présence de Dieu, je vous supplie de prendre une, deux minutes et de partager ce direct avec vos proches, avec vos amis, avec vos familles. Je suis en direct sur mes deux pages Facebook, sur YouTube et sur TikTok en même temps. Que les chiffres ne vous distraient pas et nous sommes dispatchés sur tout ces pages pour pouvoir atteindre le bon nombre au même moment. Nous ne voulons pas vous avoir à enregistrer et à repartager. Aujourd'hui, nous sommes au 4 février 2023. L'année 2023 a commencé avec force depuis les 100 ans. Et nous avons vu la présence de Dieu. Merci, John Mass. Merci, nous n'avons rien fait encore. Là, nous sommes à la maison, dans le basement, nous nous débrouillons. Mais nous sommes sûrs que bientôt, le Seigneur va nous aider avec ce building, Elikim Productions et Dr. Ray Music, qui nous feront de grandes choses pour le Seigneur. Alors, prends 5 minutes, partage ce direct avec moi. Nous allons décoller maintenant encore, vous savez, avec l'onction et l'Esprit de Dieu qui est déjà au rendez-vous. Nous allons adorer notre Seigneur, nous allons lui témoigner notre amour, nous allons lui dire qu'il est merveilleux. Alors, prends ce temps avec moi. Partageons tous les groupes, c'est facile, va juste en bas et puis clique. Vous êtes sur TikTok, allez-y rapidement. Partagez, envoyez ça à vos contacts dans le nom puissant de Jésus. Et ensemble, nous allons nous recueillir. Merci déjà pour l'accueil que vous avez réservé à Les montagnes disparaissent. Ce chant qui est l'hymne de gloire. Et le Seigneur nous a convaincus après 7 ans de faire un clip vidéo. Parce que le Seigneur veut utiliser quand même cette chanson pour atteindre grand nombre. Alors nous l'avons fait. Et je suis sûre que le Seigneur est au contrôle. Alléluia à tous ceux qui sont déjà connectés. Vos commentaires et vos likes, vos réactions rendent ce direct actif. Vos partages, vos bipages à vos amis rendent ceci vivant. Notre Dieu mérite que les foules se rassemblent chaque fois et lui témoignent grandeur. Nous avons de très bonnes nouvelles pour vous cette année 2023. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son va bien? I greet you all in the name of Jesus. People of God, I'm so sorry. I got to be using the two languages because the Lord is expanding us again. And I know I came back to Ewe and French because of the messages I need to deliver to my people. But on Saturdays, when we're together, we need to be speaking both languages because we are followed by Nigerians, Kenyans. We are followed by South Africans, Ghanaians. We are so blessed. The Lord is expanding Elikim ministry and we thank God for it. Bless somebody today with this broadcast by sharing it. We are going to take off right now and you know already. Thank you for everybody commenting on TikTok. Thank you, Hugh, Minister Hugh, my dear brother. I love you and thank you so much for everything you do in my ministry. Thank you for letting God to use you to write those marvelous songs that we can use every time. This day is a very blessed day for me again. And I'm telling you, we have good news coming up for you. We have good programs. We're going to be everywhere. We're going to come to your city this year. We believe it. God is doing great things, amazing things. And we are so grateful. Nous voulons rendre gloire à Dieu pour sa fidélité partout où tu es. Si tu finis de partager ce direct, commence par te concentrer, par dire merci au Seigneur. Il est grand, il est digne de louange, il est digne d'adoration. Je crois que j'ai tout dit, mais je n'ai pas partagé le direct. Merci Jésus. Merci, merci. The beat, the track, you are greatest, you are. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci Jésus.
Merci. Partagez avec moi, partagez avec moi, partagez avec moi. Alléluia. Yeah, yeah, yeah. Alléluia. Oh, 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 oh. Juste merveilleux, je dis, tu es grand, mon Dieu, tu es grand.
Oh,
moi, je porte en moi ce Dieu grand. Je porte en moi ce Dieu puissant. When you carry that God inside of you, when you carry that mighty God with you everywhere you go, what can stand against you? What can destroy you? Well, of whom shall you be afraid? If the Lord lives inside of you, He is our assurance. He is our pride. He is our comfort. He is our assurance. Our confidence that nothing can stand against us. And we, je porte en moi, le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Je porte en moi le maître du salut. Je porte en moi celui qui n'échoue jamais. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant. Je porte en moi celui qui dit un mot et la chose s'accomplit. La chose s'accomplit. Hey! Je porte en moi celui qui vit éternellement. Je porte en moi la nature du vivant. Je porte en moi celui qui le maître de toutes choses. Il est vivant, vivant, vivant. Oh, il agit en moi, il agit en moi. Il est vivant, vivant, vivant. Hey, il agit en moi. Il agit en moi.
seulement tu lui ouvres ton cœur et tu lui dis, Seigneur, prends contrôle de ma vie. Lève les mains, dis, Seigneur, j'ai besoin que tu demeures avec moi. Il n'y a rien de mieux que le Dieu tout puissant qui marche avec toi. Oui, tu peux traverser des choses, mais tu ne tomberas jamais. Même quand tu tombes, il te relève. Hey, yeah. Bien-aimé, partage ce moment béni avec quelqu'un. Ne regarde pas seul. Partage ce moment glorieux avec quelqu'un. Partage ce moment de bénédiction avec ton frère. Vas-y, vas-y, vas-y maintenant. Fais-le, nous avons une parole de bénédiction pour les nations encore. Notre Dieu nous a envoyés dans les nations. Bien aimé, partage en direct. Emmanuel te dit, je suis avec toi. Bien-aimé, cette année, c'est une année de grâce. It is a year of grace, abundant grace, supreme grace. A year where even the ones that don't remember God are going to be touched. I'll read the word of God for you right now, very soon in Isaiah 65. He said, even the ones that forget me, even when they forget me, because of my servants, I will remember them. Oh my God. I don't know why this year will pass you by without you becoming the greatness that God has set you to be. Cette année ne peut pas finir sans que tu ne deviennes la lumière que Dieu veut que tu sois dans ton environnement, dans ton pays. Parce que c'est une année de suprême grâce, une année très positive et très merveilleuse. Bien-aimé, ne rate pas, reste dans la présence de Dieu et fais tout pour être attaché à ton Dieu. Parce que cette année, chaque jour qui passe est une bénédiction. Moi, je vois sa parole. Tout ce que nous demandons, nous le voyons, il accomplit. Et c'est pour ça que nous savons que c'est ce qu'il veut faire cette année. Il nous a fait traverser des choses difficiles pendant des années. Il nous a dit aussi d'en parler. Mais quand le moment est venu, il utilise ce qu'il veut. Alléluia. Emmanuel.
celui qui marche sur les eaux et qui peut parler à la tempête et leur ordonner de se taire. Il s'appelle Jésus. Je sais que certains d'entre vous vous hésitez à appeler ce nom parce que vous pensez que c'est un nom créé par des blancs. On vous a convaincu que Jésus c'est un nom créé par des blancs. Et on vous dit appelez seulement Dieu. Appelez seulement Dieu le Tout-Puissant. Et vous êtes tranquille, bien aimé. Le Dieu le Tout-Puissant m'a dit dans sa parole. Là où j'ai découvert qu'il s'appelle Jéhovah, au même endroit j'ai découvert qu'il a donné le nom au-dessus de tout nom à son fils Jésus, qui a pu venir sur terre réconcilier le monde pécheresse à lui. Par lui, l'œuvre de salut a été faite ultimement. Et c'est pour ça qu'il a dit tout ce que vous demanderez en ce nom-là, vous le verrez s'accomplir. Et si tu es là, appelé Dieu seulement dans ce que tu fais. Et tu ne reconnais pas son fils Jésus, mon frère. Laisse-moi te dire, tu es en train de te tricher. Le nom de Jésus est le nom qui est au-dessus même de la parole de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole. La parole était Dieu et la parole était avec Dieu. Il est un avec le Père, mais le Seigneur Dieu l'a détaché. Et lui a donné la position de la parole. Par elle, par lui, tout a été créé et pour lui. C'est-à-dire que tout ce qui a été créé par lui est sous sa domination. Et ce nom-là ici, il s'appelle Emmanuel. Jésus-Christ de Nazareth, celui qui est venu mourir, le seul prophète sur terre qui a ressuscité le troisième jour. Ce n'est pas les blancs qui ont créé ce nom. Les blancs sont trop petits pour créer ce nom. C'est le Messie. Il est invisible, mais ses œuvres sont visibles. Il dit, je vous laisse ma paix, pas comme le monde la donne. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Celui qui n'abandonne jamais. Yesu, Yesu, yeah, Yesu. I'm talking
talking about Facebook, YouTube, Facebook and YouTube. React. I know the setting for TikTok is different. Okay. The setting for YouTube is different. What's going on? Let me know. How is it? Is it cracking or is it out? Les gens sur TikTok, vous n'avez pas de problème parce que c'est un autre setting pour vous. Mais sur YouTube et Facebook, je crois qu'il y a un problème. Merci Seigneur. Comment ça se passe? C'est quoi? C'est ça craque ou bien c'est comment? Yesu. Oh Yesu. Dites-moi, comment ça se passe? Comme ça on peut arranger. Yesu. Le micro ne sort pas, ça craque, le piano ne sort pas. Comment c'est? Dites-moi, qu'est-ce qui se passe? Dites-moi. Pour le son, c'est comment? TikTok, donnez-nous quelques secondes. Nous allons. Ok, ça craque. Ok. Merci Seigneur. Pour TikTok, vous allez bien. Merci. Oui, je sais. Vous allez bien. Alors, je vais connecter mon téléphone pour ceux qui sont sur Facebook. On y va. Je vais télécharger ce qu'il y a sur YouTube, TikTok et mettre sur YouTube après. Mais pour le moment, nous allons. Pas et puis vous ne me dites rien, vous êtes là seulement comme ça. Nous avons encore 30 minutes, alors nous allons être bénis encore. Si le
le son va bien sur Facebook, faites-moi signe. Faites-moi signe et partagez le lien. Partagez le lien pour que les autres puissent se retrouver. Alors TikTok, ça bug aussi? Le son, comment ça se passe? Dites-moi. Ça va? Si ça va bien, réagissez, écrivez quelque chose, mettez des cœurs pour que je sache. S'il vous plaît. On doit se concentrer pour continuer le ministère. On peut pas être là juste pour regarder le son. Mais on veut que le message aussi passe. Merci Josie. Merci beaucoup. Facebook, comment ça se passe? Mettez les cœurs. Qu'une personne mette assez de cœurs pour que je sache que le son va bien. S'il vous plaît. Maintenant, prenez le temps de partager le direct. Prenez le temps de partager avec qui vous pouvez pour leur permettre de se retrouver ici parce que l'autre lien, ça va pas. Nous sommes les mêmes. Qu'à tous les mêmes. Nous sommes les mêmes. Y'a les mêmes. Tu nous nous les Tell me one more. And quiet.
must bow. Precious name, Jesus. Precious name, Jesus. Beautiful name, Jesus. Yes. And you are my healer. You are my healer, you are my shelter, my restorer, my light keeper. You are the mighty God, oh, is there no one like you? Echo with me, you are the talking to. Everything you say, Father, you will make it pass. Oh, you are the living God, oh, Baba, no one like you. You have promised to lift me up, Jesus, you have promised to make me the head, oh. I believe everything you say will come to pass, cause there's no one like you. My restaurant, my restorer, everything I lost, you ready to give them back to me. Double for my trouble, oh, double for my trouble, oh, double for my trouble, oh. Hey, you're the God of Job, you're the God of Job. I call you mine, oh. You are my God, the God of Joseph, oh. Hey, you are the living God, oh. Nothing sums you up. Generation after generation keep praising you, but nothing sums you up. Then I ask the Lord, why not fix you? And he said, Yahweh, I say, generation after generation keep praising you, but nothing sums you up. Hey, the Genesis jusqu'à l'Apocalypse. And I ask the Lord, hey, what now fits you? And he said, yeah. And I ask the Lord, my God, what now? The King of Zion. I think you gotta raise that key for me. I'm so excited about my Jesus. I'm so excited about my God. I'm so excited when I have to worship Him. I'm so excited when I call His name. Because nothing else matters. Moses to Jacob, keep praising you, from Joseph to David, but nothing sums you up. Ah, rien ne peut sommer, rien ne peut donner le résumé de ce Dieu-là. Rien ne peut donner un résumé de ce Dieu-là. Des générations après des générations, il se manifeste et il se renouvelle. Et nous lui demandons, c'est quoi ton nom? Il dit, Yahweh. The Holy One, God, the Mighty One, Yahweh, Yahweh.
praising you. Yet nothing sums you up. Then I ask the Lord, what benefits you? And he said, you're the Holy One, you're the Mighty One, Yahweh, the King of Israel. You're the Holy One, you're the Ancient One. Il n'y a rien qui peut se passer aujourd'hui dont il n'est pas au courant. Il n'y a rien qui peut le surprendre. Il n'y a rien qui peut lui être incomparable. Il n'y a rien qui peut le challenger. Il n'y a rien qu'il ne peut comprendre. Il n'y a rien qu'il ne peut cerner. Parce qu'il est l'ancien des jours. Assis sur son trône, de génération en génération, il ne dort. Il n'est jamais fatigué. Il accomplit toujours des miracles dans nos vies. Yahweh, the King of Zion. Yah, the Holy One. Yahweh, the King of Zion. Yah, 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 the Holy One. Yah, the Mighty One. His name is Yahweh, the King of Zion. This one has worked. This one is not working with that. That's fine. Glory to Jesus. Somebody put your hands together. Put your hands together for Jesus, wherever you are. Put your hands together and make a joyful noise. I think we have just about 30 minutes and we'll be gone today. Lift your voice somewhere, wherever you are, and clap your hands for Jesus. Make a joyful noise unto the Lord. He's holy. He's holy. Il est digne de recevoir la louange. Il est digne de recevoir la gloire. Il est digne de recevoir l'adoration. Lève tes mains et bénis le Seigneur. Lève tes mains et dis-lui merci. Lève tes mains et donne-lui la gloire. Il est assis sur son trône. Merci Jésus. Nous allons écouter sa parole et sa promesse pour nous encore une fois en 15 minutes et nous allons prier, nous allons le remercier. Tu vas encore lui confier cette année. Dis Seigneur, j'ai besoin de voir tout ce que tu as promis pour moi cette année. J'ai besoin de voir tout ce que tu as réservé pour moi cette année. Tu as dit demandez et l'on vous donnera. Alors je viens demander. Dis Seigneur, je suis venu demander. I have come to receive what you have promised. I have come to receive from you the good blessings that you have put in store. Whatever you have set your mind to do for me this year, I have come to receive it. I have come to be blessed. I come in your presence to see your life, to see you and receive life from you. I come in your presence to worship you. I come to give myself to you. But Lord, I have come again to receive every good thing you have prepared for me. Je suis là pour recevoir les bonnes choses que tu as réservées pour moi. Et bien aimé, nous allons lire le psaume 65. Le psaume 65. Que David a que la parole de Dieu a été titrée les rétributions de l'Éternel. Nous sommes dans l'année de rétribution. L'Éternel va nous sommes dans l'année de rétribution. Il va donner sa rétribution pour toi qui l'adore, qui le craint. Il va donner sa rétribution aux méchants aussi. Cette année, le Seigneur, nous sommes dans l'année de rétribution. Celui qui fait bien recevra sa récompense. Celui qui fait mal aussi recevra sa récompense. Dis-moi Amen partout où tu es. Dis-moi Amen partout où tu es. À partir du verset 1, je ne sais pas si nous allons lire rapidement, mais je vais mettre l'accent sur les paroles qui sont les paroles qui m'inspirent plutôt et que je crois que le Seigneur va vous bénir avec. À partir du verset 1, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. C'est titré les rétributions de l'Éternel. Il dit, j'ai exaucé ceux qui ne me demandaient rien. Je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. Je dis, me voici à une nation qui ne s'appelait pas de mon nom.
J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle qui marche dans une voie mauvaise au gré de ses pensées. Vers un peuple qui ne cesse de m'irriter en face, sacrifiant dans les jardins. Il brûla de l'encens sur des briques, qui fait des sépulcres sa demeure et passe la nuit dans la caverne, mangeant de la chair de porc et ayant dans ses vases de mets impurs. J'ai dit, retire-toi, ne m'approche pas. Ne m'approche pas car je suis saint. De pareilles choses, c'est une fumée dans mes narines. C'est un feu qui brûle toujours. Voici ce que j'ai résolu, pas de verre, moi. Loin de me taire, je leur ferai porter la peine. Oui, je leur ferai porter la peine. De vos crimes, dit l'Éternel, de crimes de vos pères qui ont brûlé de l'encens sur les montagnes, qui m'ont outragé sur les collines, je leur mesurerai le salaire de leur action passée. La rétribution de Dieu pour les méchants. Vous savez, Dieu, il est bon. Il fait lever le soleil pour les bons et les mauvais. Et c'est pour ça sûrement que les gens persistent dans leur voie pervers. Parce que Dieu ne les punit pas à cause de leurs péchés. Parce que Dieu ne rétribue pas à cause de nos erreurs. Il fait lever le soleil pour tout le monde. La pluie tombe pour tout le monde. Dieu ne sérit pas. Oh, ici, il va pleuvoir. Là-bas, il ne va pas pleuvoir. Et il se leurre. Mais Dieu dit dans Isaïe 65, la rétribution des méchants. J'ai exaucé ceux qui ne demandaient rien. C'est-à-dire qu'ils se lèvent le matin. Ils vont à l'école, ils reviennent. Ils vont dans leur boulot, ils travaillent, ils trouvent de l'argent. Ils souhaitent avoir un enfant, même s'ils n'adorent pas Dieu. Même s'ils ne cherchent pas Dieu. L'Éternel les a exaucés quand même. C'est là où il y a l'erreur, bien-aimé. Et dis-le, je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient même pas. Une nation qui ne s'appelait même pas de mon nom. Une nation qui ne s'appelait pas du nom de Dieu. Le Seigneur dit... Attends, je crois que je vais arrêter d'utiliser le micro. Parce que ce n'est pas connecté en fait. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Je vais parler avec ma voix directement. Vous m'entendez bien? Manifestez-vous pour que je fonce. Il dit, même cette nation-là... C'est Esaïe 65, modestie, Esaïe 65. Cette nation-là qui ne m'a même pas mentionné, qui n'est pas de moi. Vous savez, c'est Dieu qui a tout créé, mais il y a des nations qui lui appartiennent, il y a des nations qui lui appartiennent tout simplement pas. Parce qu'il est Dieu, il choisit qui il veut, il choisit ce qu'il ne veut pas. J'ai tendu mes mains tous les jours vers un peuple rebelle. Des gens qui insultent Dieu, qui disent même que Dieu n'existe pas. Les gens qui sont même capables de dire que Dieu n'existe pas, qui ne fait, qui n'a rien créé. Les gens qui ne croient pas en Dieu. Dieu dit, je les ai exaucés eux aussi. J'ai tendu ma main vers eux. Je leur ai donné à manger. Je leur ai donné le souffle de vie. C'est par ce que le soleil que j'ai créé qu'ils ont vu la lumière. C'est le sang qui coule dans leurs veines qui les permet d'être en vie. Je ne les ai pas tués. Mais ces nations-là, le Seigneur dit cette année, pour tous ceux qui vont encore se moquer de Dieu, pour tous ceux qui vont encore critiquer que Dieu n'est pas là, il dit, loin de me taire, je leur ferai porter leur peine. Oui, je leur ferai porter la peine. Des crimes, dit l'Éternel, de crimes de vos pères qui a brûlé l'encens sur les montagnes, qui ont outragé sur les collines. Méfiez-vous. Parce que quand la parole de Dieu, elle vient, elle est une bénédiction pour qu'il accepte. Mais c'est une épée à double tranchant. Ça détruit l'ennemi, ça protège les enfants de Dieu. Ainsi parle l'Éternel. Quand il se trouve du jus dans une grappe, dans un raisin, on dit ne la détruis pas. Car il y a une bénédiction, j'agirai de même pour l'amour de mes serviteurs. Obédé, non pas jus les raisins amérés. Obolambon va sortir d'ango là, parce qu'il y a des lémés là. Et Dieu dit, j'agirai de même pour mes serviteurs. Afin de ne pas tout détruire. Parce que quand la rétribution de l'Éternel va s'abattre, toi qui sers l'Éternel, toi qui honores Dieu, toi qui crains Dieu, qui respecte ses envoyés sur terre, même si tu ne comprends rien, tu ne critiques pas, tu n'insultes pas, tu ne murmures pas, la Bible dit que toi, le Seigneur te fera l'exception afin de ne pas tout détruire. C'est à cause de toi que ta maison ne brûle pas encore. C'est à cause de toi qui crains Dieu que le nom de famille de votre famille est encore sur terre. C'est à cause de toi que votre maison ne brûle pas encore. Je ferai sortir de Jacob une postérité
et de Juda un héritier de montagne. Mes élus posséderont le pays et mes serviteurs y habiteront. Bien-aimé, j'espère que le Seigneur t'ouvre l'entendement pour que tu puisses comprendre ces paroles. Je vais finir dans 5 minutes, mais il faut que tu sois speed et que tu reçoives ce que tu vas recevoir. Il dit, mes élus posséderont le pays. La dernière fois, j'écrivais avec mes agents, mes fils, ma team de Lomé. Et on est en train de discuter d'une situation. Mais le frère est là, il me dit, non, tout est difficile dans le monde entier. Mais chez nous, au Togo, là, c'est encore spécial. Écoutez, tant que tu croiras que c'est difficile, ça restera difficile. Pendant que tu mettras tes langues et ta bouche pour déclarer que c'est difficile, as long as you keep believing that it's hard, it's complicated, it will remain complicated for you. Et puis je lui ai dit, utilisez un peu la foi. Utilise la foi. Il a répondu, oh. Mais lui, il est dans mon groupe. Hein. Je ne veux pas le blesser. Mais je lui ai rien dit. Il est dans mon groupe. Il vient jouer avec moi. Je lui ai dit, utilisez la foi. Il me dit, oh. Parce que toi-même, tu crois que ça ne marchera pas. Tu vas rester comme ça, ça ne marchera jamais. Tu crois que ça ne réussira pas au Togo, ça ne réussira jamais pour toi. Mais ceux qui vont croire, on dit les élus là. Ceux qui auront la foi, eux, ils posséderont le pays. Partout où tu iras, si tu peux croire que Dieu est Dieu et qu'il t'a choisi et qu'il a fait de toi la lumière du monde, c'est toi qui posséderas le pays. C'est par toi que la puissance de Dieu se fera voir. Les gens mourront de faim, mais toi, ta maison, il y aura de l'abondance. On viendra te demander comment tu as fait. C'est la parole de Dieu pour toi. Le Saron servira de pâturage au menu bétail et la vallée d'Accor servira de gîte au gros bétail. C'est-à-dire, il y aura tellement d'abondance chez toi. Pour mon peuple, qui m'aura cherché? Toi qui peux dépenser 1h30 chaque samedi pour chercher Dieu. Toi qui dans ta chambre, tu fermes la porte, il n'y a personne qui te voit, mais tu cries, Jésus, Seigneur, Seigneur, tu es Dieu. J'ai croix en toi, j'ai besoin de toi, j'ai foi en toi. Toute mon inspiration est sur toi. Les gens disent, allons chez le marabout, tu refuses. Les gens disent, allons voir ce faux prophète, tu refuses. Les gens disent, allons mettre ce gris-gris. Allons essayer l'autre Dieu, tu refuses. Et tu es toujours là en train de chercher Dieu. C'est toi qui auras l'abondance. Pour le peuple qui m'aura cherché, mais vous qui abandonnez l'Éternel, qui oubliez la montagne sainte de l'Éternel, qui même osez critiquer cette montagne, qui même osez dire qu'elle n'existe pas, qu'elle n'est pas sainte, pour vous là, qui dressez une table pour garde et remplissez une coupe pour Méni, je vous destine au glaive. Ceux qui adorent les faux dieux, ceux qui se servent de manipulation, ceux qui sont des méchants, qui comprend des mauvaises choses. Quand on dit tu sers du vin à 7, ça veut dire des dieux. Dans le temps ancien, Gad et Méni. Je vous destine au glaive et vous fléchirez tous les genoux pour être égorgés. Car j'ai appelé et vous n'avez point répondu. J'ai parlé et vous n'avez point écouté. Mais vous qui faites ce qui est mal à mes yeux et vous avez choisi ce qui me déplaît. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur. Voici mes serviteurs mangeront. Et vous aurez faim. Voici mes serviteurs boiront. Et vous, vous aurez soif. Voici mes serviteurs se réjouiront. Et vous, vous serez confondus. La rétribution de l'Éternel. Quelqu'un me dit la rétribution de l'Éternel. Tu vas changer de camp rapidement. Tu vas te positionner dans le camp des enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu, de ceux qui cherchent Dieu, de ceux qui comptent sur Dieu. Ou bien tu veux rester dans le camp de ces gens-là. Qui servent à ton du vin à des dieux, à des faux dieux. 2023 est une année où le Seigneur est tellement debout pour rémunérer ses enfants. Ceux qui le cherchent seront glorifiés dans les nations. Voici mes serviteurs chanteront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre âme. Et vous vous lamenterez dans l'abattement de votre esprit. Vous laisserez votre nom en imprécation à mes élus. Le Seigneur, l'Éternel, vous fera mourir. Il donnera à ses serviteurs un autre nom. Aïe. Il y a quelqu'un qui a dit le cas, mais vous voyez. Position, maman, non, ni le corps. Il y a quelqu'un qui a dit le cas, mais le gouvernement de Kankou, mais le don de Kankou, mais le. Voilà, va quoi, mais au amé, à l'éclin, amé, à Dieu, nous, le hippo. Et Sophie, qu'on t'a positionné le coroé. On l'a dit, maou.
là où est béton, là servir, là où nous nuit, allô, au labé à Chima au vieux yomé, au labé à Chinou que ma oué à Wolé, Togo Bani Bandi, allô, et vieux bac bémé yomé, au labé ya, ya non envie à me, au labé ya, yé mou crabe ma ouléo, yé tia yé toi à vengeance, au la non ma ou vieux tomé, la déguisé loco, la non sang, la non yo abé quoi yaka yaka, la non mokeo, non poma ou vide bête bagbapéa, au labé exposé, non poma ou vide le doya, au labé non murmuré la non koué. Récompense ça et les 2023 yami pendant que ma auto site les basiques pédibé à ira fiawa nene ke à l'ombo tomea et les ina futo à mène pas que les flots beno yo ma itao ben 2023 yo la ba nos fan via rétribution l'aîné vous laisserez votre nom en imprécation mais le Seigneur il dit celui qui voudra être béni dans le pays, écoutez bien, my God, celui qui voudra être béni dans le pays. Oh, the word of God is so powerful. Voudra l'être par le Dieu de vérité. Et celui qui jugera dans le pays, jugera par le Dieu de vérité. Car les anciennes souffrances seront oubliées. Elles seront cachées à mes yeux. Togo, mon pays, le Seigneur s'est levé sur toi. Togolais, mon compatriote. Africain, mon compatriote. Le Seigneur s'est levé cette année pour nous. Celui qui voudra bénir doit bénir par le Dieu de la vérité. Ce n'est plus le moment du faux. Ce n'est plus le moment d'aller utiliser des forces occultes pour tirer de la foi, pour avoir de l'affluence. Ce n'est plus le moment d'essayer de faire du faux pour avoir la gloire des hommes. Celui qui voudra bénir, bénira par Dieu. Le moment est venu où le faux sera dévoilé. Je vous ai dit ça. Le moment est venu où celui qui ne fait pas avec le Dieu de vérité sera démarqué. Car je crée du nouveau ciel. Notre Dieu est un Dieu qui règne de perpétuité à perpétuité, mais il est capable de générer, régénérer, réinitialiser les choses quand il veut, comme il veut. Et à chaque saison, il envoie toujours ses serviteurs de parler. Le verset 17 d'Ésaïe 65 me dit, « Car je vais créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre, et on ne se rappellera plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Cette façon dont tu as souffert, cette façon dont tu as ridiculisé, cette façon dont tu as galéré, cette façon dont les hommes t'ont brisé le cœur, tu as pleuré chaque nuit. La Bible te dit ce matin, bien-aimé de Dieu, on ne se rappellera plus de ça. Tu vas chercher les larmes, tu ne trouveras plus. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. Cette année, c'est notre année de joie. L'huile de joie est descendue, bien-aimé. Rentre dedans. Rentre dedans. Je te dis, même quand tu te retrouves dans une situation difficile, si tu peux te lever, commencer par danser, louer ton Dieu, être glorieux, la situation même va se décamper devant toi. The oil of joy is poured powerfully in 2023. God says, Isaiah 65, verse 18 is, rejoice instead. Instead of crying, instead of remembering the past, instead of trying to say, this man disappoints me. Oh, he gave me an appointment and he never showed up. Oh, this man promised me to marry me and left me. Oh, this man has divorced me. Oh, my wife has left me. Oh, I didn't get that contract. Oh, I could not make it. Oh, they took my sister instead. They took my brother instead. Instead of standing and saying those kind of things, rejoice instead. Because remember what has happened to you in the past. Don't even think about it anymore. That's what God is telling you. Don't even think about it anymore because he's making something new from now. It doesn't matter how bad it has been. It doesn't matter how messy it has been. It doesn't matter how hopeless it became. God says, I'm making something new. When God says, I'm making something new, he really does. He really do. When God says, I'm making something new, he can regenerate it from. Even if you don't have a womb, he can make a womb appear in your butt, in your belly, and make you get pregnant. That is the God that we serve. Even if everything is dead, he can bring it back to life. You will see it with your own eyes and you will marvel. Tu vas voir ça avec tes propres yeux, tu seras émerveillé. Ce que Dieu peut faire. Toi qui penses que c'est fini. Toi qui penses que tu n'as plus d'espoir. Toi qui penses que c'est vraiment, vraiment fini. À ton âge maintenant là, ce n'est même plus possible. Dieu va te prouver que c'est maintenant même qu'il peut commencer avec toi. Dieu va te prouver que c'est lui qui peut donner un enfant à une femme à 90 ans. À un homme dans 7 et une femme à 99 ans. Bien-aimé, le temps de Dieu n'est pas le nôtre. Les voies de Dieu n'est pas le nôtre. Tu vas croire en sa parole pour toi cette année. Et tu vas te lever d'une manière glorieuse. Pour remercier ton Dieu.
Il dit, oh, réjouissez-vous plutôt. Et soyez toujours dans l'allégresse. Qu'à cause de ce que je vais créer. Bien-aimé, regarde ce mot-là. Créer. Create. À cause de ce que je vais créer. C'est-à-dire que la chose n'existait pas. Mais Dieu dit, réjouis-toi à cause de ces choses que je vais créer. Même si tu n'as pas de diplôme, même si tu n'as aucune qualification, Dieu va créer en toi des potentialités qui vont te qualifier pour cette position. Et c'est toi qu'on va choisir. Il dit, à cause de ce que je vais créer, réjouissez-vous. Because of what I will create. The thing was not there, but God is about to bring it to pass. You didn't have it, but he's about to create it inside of you. That's what he's talking about. À cause de ce que je vais créer Jérusalem pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Just to give you joy. Just to give you joy. Just to give you joy. God is able to go bring an angel from heaven and make him a man and give it to you for your joy. Because God has decided to reward you this year and reward your enemies too. You that is a God servant, you that fears the Lord. He said, I'm about to create it for you. Even if that man does not exist on earth, God is about to bring it to pass. He's able to bring all these characters and all these good things that will make you happy and put it inside that man and give it to you. He's about to bring that perfect woman and give it to you. His eyes are on sank and give it to you. He's about to create it for you. My God. Because of what I'm going to create to give Israel, my people, joy. The Lord is on his throne and decide to give you all joy throughout this year. Receive it, my brother. Reçois la joie. Je reçois la joie. Le verset 19, Esaïe 65, le verset 19. Je ferai de Jérusalem mon allégresse. Là. Aïe. On y a nous qu'on y quand je t'ai fait de toi son allégresse. C'est comme un anéma ou le pôle et que quand on est en fil, quoi. Imaginez les contacts qu'on a bébé vivo, à nos deux bébés vivants, on est yo les chiens, on est quelqu'un, yo deux bijoux, yo deux nonnes. Quand nous décorons nos enfants, quand nous les habillons bien, et puis on est fier, tu le regardes seulement et puis on dit oh ça c'est mon enfant, oh c'est mon bébé, oh il est trop mignon, oh mon Dieu pourquoi tu es aussi mignon. Imagine comment toi tu te réjouis quand tu regardes tes enfants. Imagine quand tu te réjouis quand tu vois ton homme bien habillé, bien sapé, qui sent bien le parfum. Tu dis waouh ça c'est le mien. Tu regardes ta femme, tu dis oh regardez son nez, regardez sa forme, regardez ses seins, regardez oh mon Dieu, regardez ses yeux. Et tu es content. Dieu dit je vais faire de toi mon allégresse. Quand Dieu te regarde, il sourit et dit, waouh, ça c'est ma fille. Quand Dieu te regarde, il sourit et dit, waouh, ça c'est mon fils. Et quand Dieu sourit sur toi, quand Dieu, lui, il sourit sur toi, qu'est-ce qui peut te mépriser? Qu'est-ce qui peut te bloquer? Qu'est-ce qui peut encore je ne sais pas tous les mots que vous pouvez mettre. Ton visage brille partout où tu vas. Tu sens bon partout où tu vas. On t'accepte partout où tu vas. On te célèbre partout où tu vas. Tu exploses et tu brilles. Parce que le ciel sourit sur toi. Je vais faire de Jérusalem mon allégresse. Dis, je vais faire. L'Éternel dit, je vais faire de Noélie mon allégresse. Appelle ton nom. Appelle ton nom. Il va faire de Noélie son allégresse. Dieu va faire de Noélie Elikim son allégresse. Dieu va faire de moi son allégresse. Aïe, 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 aïe. Il m'a dit, quand je vais te faire passer par des choses difficiles, tu vas pleurer. Mais quand le moment va venir, je t'utiliserai comme un mouchoir. Et quand vous savez, quand on veut faire adoration, louange à l'église, on remet les mouchoirs. Le Seigneur m'a dit par mon père spirituel, il t'utilisera, il va te faire sortir comme on sort un mouchoir de la poche. C'était l'image que mon père spirituel m'avait donnée. Il était habillé en cravate. Et vous voyez les mouchoirs que les hommes mettent sur les faux poches pour mélanger, pour matcher avec la cravate, non? Il avait enlevé ça comme ça. Il a dit, le Seigneur dit, quand j'aurai fini avec toi, quand je t'aurai dressé, tu es comme du diamant. Je te ferai sortir comme ça et tu seras ma gloire. Tu seras ma fierté dans les nations. Quiconque te verra louera Dieu. Et c'est ce qui s'accomplit. Et c'est ce qui s'accomplit. Je suis l'allégresse de l'Éternel. Je suis la joie de l'Éternel. Je suis la fierté de l'Éternel. Déclare ces mots et reçois. Déclare ces mots et reçois. Dans le nom puissant de Jésus. Je ferai des joies et mon peuple ma joie. On n'y entendra plus le bruit des pleurs, des plus des cris. On la va au moment passé à Vio là. Hey, Dr. Ray, you're not gonna see me cry anymore. You're not gonna see me cry anymore.
The Lord said, we will look for tears in your house. We're not going to see it. People will look for tears and sorrow in your house. They're not going to see it anymore because you become the joy of the Lord. You become the pride of the Lord. Bien-aimé, reçois ces paroles. C'est par la langue que nous recevons la vie et la mort. Je te communique la vie ce matin. Toi qui sers Dieu, toi qui crains Dieu, toi qui n'as aucun espoir, toi qui n'as aucune autre force, toi qui as des mères et des pères qui sont en vie, mais ces personnes ne te regardent pas. Tu as des milliers de personnes dans ton téléphone, mais il n'y a personne. Reçois cette parole. Elle deviendra chère dans ta vie. Je te communique cette joie parce que pendant 40 et quelques années, le Seigneur m'a fait passer par les choses difficiles. J'ai pleuré. Mais le moment est venu. Il a dit, on n'entendra plus les pleurs chez toi. On n'entendra plus des pleurs chez toi. Il n'y aura plus ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent leurs jours. Et vimaga kuna ola. Omaga fofu bela genke ola. Tu ne vas plus avoir des fausses couches. Et ton père ne mourra pas prématurément. Ton enfant ne mourra pas avant toi. C'est ce que la Bible dit ici. Il n'y aura pas chez vous ni enfants ni vieillards qui n'accomplissent pas leurs jours. La mort prématurée ne sera plus ta portion. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune. Hey, mamma mia. À 100 ans, tu es encore jeune. My God. C'est le Dieu qui peut. On t'a dit que toi, tu as 45 ans, c'est fini pour toi. Tu as 5 enfants, donc il n'y aura plus un homme. On t'a dit que tu as 50 ans. Et tu as 3 enfants. Et tu es vieille. La Bible dit, à 100 ans, tu seras encore jeune. C'est maintenant même que ton huile va sentir bon. C'est maintenant même que tes atouts seront agréables. Quand un homme va te toucher comme ça, il va se sentir comme il est au paradis. Il ne va pas comprendre pourquoi, à ton âge, il peut se sentir autant à l'aise en te touchant. Ma soeur, reçois. Reçois. Je dis reçois. C'est gratuit. Il suffit de croire et d'activer la parole de Dieu dans ta vie. Nous ne sommes pas des fous. Notre Dieu est capable de créer les choses qui n'existent pas. Car celui qui mourra à 100 ans sera jeune et leur pécheur âgé de 100 ans sera maudit. Les malédictions aussi retournent chez les gens là. Hein. Dieu n'a pas oublié. Il te bénit, il est maudit, il te bénit, il est maudit, il te bénit. C'est pour ça cette année, je vous dis, méfiez-vous de là où vous vous tenez. Positionnez-vous avec les enfants de Dieu, dans le camp de Dieu. Même si toi, je ne parle pas de l'église, hein, je parle de ton corps, cœur. La Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, même si tu ne vas pas dans une église, le Saint-Esprit habite en toi. Si le Saint-Esprit trouve sa place sur toi, que tu communiques avec ton Dieu. Moi, j'ai vécu aux États-Unis, j'ai fait plus de 2 ans. Je n'ai pas mis pied dans aucune église. Mais je n'ai pas perdu ma communion avec mon Dieu. Je sais comment je parle avec mon Dieu. Je le touche, je lui parle. Pendant 2 ans, j'ai mis pied dans aucune église. Je vous le dis. Donc, je ne parle, quand on dit enfant de Dieu, là, on ne parle pas de ceux qui vont à l'église le dimanche matin. Ce n'est pas ça. Ils sont parmi eux aussi. Hein. Mais ce n'est pas ce qui définit être enfant de Dieu. Tu peux rester chez toi à la maison, avoir une communion avec Dieu. Même si c'est juste avec toi et ton mari et tes enfants, vous pouvez créer votre église dans votre maison et sentir la présence de Dieu quand vous priez. C'est ça. Ce n'est pas les doctrines. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. C'est là même la parole que Dieu m'a donnée. Désormais, là, quand tu meurs, quand tu as 100 ans, là, tu es jeune. Ça veut dire que quand tu as 45, quand tu es enfant, tu es bébé. Ils bâtiront des maisons, ils les habiteront. Mais tu vas prendre ta main, tu vas bâtir la maison, tu vas habiter dedans. Tu ne vas plus construire une maison et c'est les autres qui vont profiter de ça. Tu ne vas plus construire. Si belle que mi ou dormi ou dormi, kaka. Gamé à souyeho abe ya rétribué à mes siamé. A mec et au voyant les roues malédictions. A mec et au nuer, au le tuido, au le webele ni dicho. Ouya son ou son kebou. Babé, il avait se venger. Parce que nos djibé avaient se venger. On l'a trop sous catégorie de toi.
Si tu cherches à te venger, tu cherches à haïr ceux qui t'ont fait du mal, tu vas rentrer dans leur catégorie. Tu vas devenir comme eux et la rétribution qui va vers eux là, c'est ce qui ira vers toi. Reste dans le camp de l'enfant de Dieu. L'Éternel est notre vengeance. C'est lui-même qui décide ce qu'il fait. Il a puni mon ennemi, oh, je m'en fous. Il ne le punit pas, oh, je m'en fous. Ce que moi je sais, c'est que je vais rester dans les voies de mon Dieu. Ce que moi je sais, c'est que moi je vais dépendre de mon Dieu. It's my enemy's perish, you know. The people that hurt me are making it or they are not making it. I do not care. What I care about is my heart in front of my God. It's my heart following the work of the Lord. It's my hands clean because I know that's what is going to determine my blessing. That is how God is going to make me the head and not the tail. So I will not give up. I will not even look what they are doing. I will not even try to see if they are making it or not. I will not even try to see if they are succeeding or not. Are they crying yet? Are they miserable yet? That is none of my business. My business is to stay focused in the house of God and to keep calling my God and using His word and using His word as my weapon and using my worship as my weapon. Worshiping my God all the time. He promised to make me the joy. J'ai fini, j'ai presque fini. J'ai presque fini cette partie. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, dis prêche et je continue. Dis messager, parle. On m'a donné la bouche pour parler. Oh, j'ai perdu la partie. Un instant. Voilà. Dis parle et j'avance. On a fini. Dans 5 minutes, j'ai fini cette parole. Il me reste que 5 versets. Il dit, je suis arrivé au verset 21. Ils bâtiront des maisons et les habiteront. Ils planteront des vignes et en mangeront les fruits. Ils ne bâtiront pas des maisons pour qu'un autre les habite. Ils ne planteront pas des vignes pour qu'un autre en mange les fruits. Car les jours de mon peuple seront comme les jours de l'arbre et mes élus jouiront de l'œuvre de leurs mains. Ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Et vigne avec ma tron là. Et vigne avec ma boue là. Et vigne avec ma ni rebelle là. Et vigne avec ma y prison là. Et vigne la ni ta. Ola ni exemple les web société mais. Fide avec ma collé. Nene belagne wa because it's the retribution of the Lord. C'est la rétribution de l'Éternel pour toi. Tes enfants ne verront pas la mort. Tes enfants ne seront pas des brigands. Tes enfants ne périront pas. Même s'ils craignent Dieu, ils ne craignent pas Dieu. Ils croient en Dieu encore. Ils ne croient pas en Dieu. Je crie très fort ce matin pour te dire. Parce que toi, tu sers Dieu. Tu as prié Dieu. Tu crains Dieu. Ta rétribution sera que tes enfants ne périront pas. Et je vais vers la fin. Le verset 23 dit, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel. Et leurs enfants seront avec eux. You are blessed. This woman is blessed. This brother is so blessed. Oh my God. You are like a glow. As soon as you appear, everything was just like shining. Yes, it is the glory of the Lord. It took me 42 years to get there. It is not a joke. But when the time of God has come, nobody can stop it. Il dit, hein, voilà même la partie qui me gâte. La partie qui fait que je tombe encore amoureux de Jésus plus que tout. Il dit, hein, avant qu'il ait cessé de parler, j'exaucerai. Before they finish asking, I've already answered. Aïe! My God, receive that oil. I communicate that oil with you today. If you are my followers and you love my ministry, receive it. It shall come to pass. It said before you even finish asking, before you get to that point where you say, Father, I ask in the name of Jesus, the Lord has already answered. Tempa, tempa. Automatic, automatic. No, before you finish asking, He's already answered you. Which means all you need to do is to ask. Is to ask. That is the oil that is coming on us today. Receive it. Receive it. Receive it. Receive it. Everything I've asked God in December into this January, I start seeing it already. I feel like shouting. I feel like shouting. And I communicate that joy to you. I communicate that oil to you. Receive it. Receive it. Reçois.
C'est par la foi que nous recevons et nous les verrons s'accomplir. Ne regarde pas ceux qui doutent. Ne regarde pas ceux qui échouent et qui veulent que toi aussi tu échoues. Reçois la parole de Dieu. Il dit, le verset 25 dit, le verset 24 a dit, avant qu'ils m'invoquent, je répondrai. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Le verset 25, le loup et l'agneau paîtront ensemble. Mais do, jata fait nous mais. Metendumo mai kaka jantabe doto mega kere ola vano karese miela ola vano liasik bomena waso abetaso osundela mado janta kusisibisio domivare ola kaso sundena miela wawela nya mortisseur ke la name matro do te pianyere o se profesi wa gomea e gome a me kontonya lu sisibisio a me konif de me na me méchant le gouvernement mea ne dossier wa do funwa wawela tozo a meke plutôt là-bas, on a mea ami we. Awa mea ami souene. O a mea toya. O yonto. O anto la to pousse dossier wa idi. O anto. Hey! Reçois. O tchessima ou muria. Le Dieu de Daniel qui a fermé la gueule des lions. Il est encore vivant. C'est notre Dieu. Et c'est ce que nous recevons par force. Il dit le loup et l'agneau fêteront ensemble. Le lion comme le bœuf mangeront de la paille. Et le serpent aura de la poussière pour nourriture. Il ne se fera ni tort ni dommage sur toute ma montagne sainte. Ni tort ni dommage. Au c'est français ou agoméen. Ni tort ni dommage. Et gomé ni même quoi. Au dos raison, au dos raison. Il ne se fera ni tort ni dommage. Lequel est que belle dos la peau mais 2023 y'a mon ni tort ni dommage. Dis à quelqu'un. Ni tort ni dommage. Moule diable. Et dès que j'ai simé, ma corps récupéré ma zé. Ni tort ni dommage. Hein? Et moi, t'es un accident. Ma tchagoudou là. My God. Et tant que j'ai si mes matrons fouet là, on dort mazé. Et gâté, il a finalement matrons récupéré. C'est ce que Dieu dit sur toi cette année 2023. Ni tort, ni dommage. C'est le dernier verset. Sur la montagne de l'Éternel. Et la montagne de l'Éternel, c'est où? C'est ta vie. Aujourd'hui, nous n'allons plus à Zion. Nous n'allons pas aller à Moïna, à Israël, vers Sunambo. People go to Israel to worship God. But this time around, the mountain of the Lord is your life. It's the house of the Lord. If you can establish the altar of God wherever you are, we are done. God will do great things through you. The mountain of the Lord is your life. Il n'y aura pas ni tort ni dommage. No more, no more. No more pain. There'll be no more pain. There'll be no more sorrow. There'll be no in Jesus' name, he said it is finished. Ah, we believe. Can you give me volume, brother? He said it is finished. And we believe there'll be no more pain. There'll be no more sorrow. There'll be no. He said it is finished. I believe in your word, God. He said it is finished. Hey, we believe. Il n'y aura plus de famine. Il n'y aura plus de larmes. Il n'y aura plus. Moi je le crois. Hey, hey, hey.
you ask, before you finish asking, the Lord has already answered. He said it is finished. He abosh, hey, come on, somebody. He said it is finished. It is finished. It is finished. We believe. There'll be no more pain. There'll be no more sorrow. There'll be no more bloodshed. In Jesus' name. He said it is finished. We believe. He said it is finished. Oh yeah, yeah, yeah. We believe. Oh, to take a complete. In a boss, we are all. Hey, moi je le crois. Hey, moi je le crois. To take a complete. They are all
asking, where is Togo? What country is Togo? No more will they look for you and not find you. No more will they look for your children and not see them among the best in the world. We are going up. We are taking over. Togo, you are rising. Arise and shine. Every Togolese in every nation, receive the oil. Arise and shine. Be the best in your house. Be the best in your church. Be the best at your job. Be the best in your country. Be the best in your environment. He said it is finished. Il a fini tout, accompli tout. Il a signé, il a déclaré, et ça arrivera. Comme l'Éternel l'a déclaré, ça s'accomplira. He said it is finished. Whoa, whoa, whoa. He said it is finished. We believe. Tu ne marcheras pas en vain. Tu ne travailleras pas en abondance et ne pas voir l'argent. Au contraire, tu vas travailler peu et tu vas moissonner beaucoup. Tu vas récolter tout ce que tu as semé. Tes ennemis auront leur rétribution. Ne te préoccupe pas de celui qui ne te veut pas du bien. Ne te préoccupe pas de celui qui t'a blessé. Préoccupe-toi de toi et positionne-toi. Jérusalem, tu deviens l'allégresse de l'Éternel. Il dit, on l'appellera mon allégresse. C'est une huile de joie qui tombe, qui déborde. Je suis en train de finir mon message. Et je finis cette session de ce samedi. Que Dieu te bénisse partout où tu es. Reçois cette parole. Et tu la verras s'accomplir. Ta vie ne sera plus jamais la même. Oh, le 12 mars, retrouvez-moi au stade Omnisport à Lomé. Par la grâce de Dieu, nous serons là-bas le 12 mars. Le week-end du 3, 4, 5, 6, 5 mars. Nous allons nous retrouver à Abidjan. Cette année, nous croyons que nous allons faire glory dans trois villes que nous avons déjà préparées. Nous sommes en train d'attendre leur confirmation pour vous donner les informations. Nous sommes en train d'attendre les dates et les choses qu'il faut pour vous donner les informations qu'il faut. Mais préparez-vous parce que c'est glorieux cette année. Le Seigneur va faire de grandes choses. Nous serons dans votre ville avec la gloire de Dieu. Le thème cette année, c'est « Je suis la lumière du monde ». Il n'est pas question que tu ne brilles pas. Il n'est pas question que tu restes comme tu es. Il n'est pas question que tu sois aussi sombre. Il n'est pas question que c'est toi qui serves Dieu et que les gens te demandent où est ton Dieu. Je vous ai dit ça cette année. Quand on t'aperçoit, on dira « Waouh, ça c'est Dieu ». As soon as they see you, they must confess themselves, this is God. As soon as they hear about you, they must marvel themselves, this is the doing of the Lord. Receive that oil. I communicate that oil to you this year. If the God that called me for all these years and told me position yourself, I will use your life as an example. And we have been through a lot of things, and this is the new thing he's doing in my life. I'm sure if you believe in the God that called me, he's going to do the same thing for you. The oil of joy will never depart your life. The oil of joy is the one that makes that even when there is sorrow, you are still joyful. You don't have anxiety anymore. Depression cannot be with you anymore. Because you feel like, yes, I am here. And my God is with me. Receive that assurance. Et préparez-vous pour le 12 mars à Lomé. C'est un très grand événement inédit. Je n'ai pas organisé cet événement. J'ai été invité. Et d'une façon la plus miraculeuse qu'il soit, le Seigneur nous glorifie. Vous serez à cet événement, vous allez voir ce qui va se passer. Et comme je le dis, si vous êtes à Abidjan, je serai avec vous dans une église. Je vais partager l'affiche bientôt, le week-end du 4 et du 5. Il y a une église qui fête sa 12e convention annuelle. Les gens vont venir de partout. Et la grâce de Dieu a fait qu'un homme de Dieu est venu me chercher. Et ils ont déjà payé mon billet et tout. Nous serons là-bas le week-end du 4 au 5 mars. Et quand je quitte là-bas le 6 mars, je suis à Lomé pour le 12 mars. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, à Londres, ma soeur Déborah Lukalu, je crois que même à cet instant, ils ont déjà commencé l'événement. Ils sont à Dominion Center aujourd'hui. Si vous allez sur la page de Déborah Lukalu, vous pouvez voir l'affiche. S'il est encore temps, tu peux encore courir aller être bénie. Cette femme de Dieu, le Seigneur l'utilise dès qu'elle se positionne à Londres aujourd'hui. Elle est là-bas. Et le 17 mars, elle est à Paris. Bien-aimés, nous allons nous retrouver. Cette année, c'est l'année de la enfants de Dieu. Et que le Seigneur vous bénisse. Je vous aime beaucoup. C'était moi et Dr. Ray.
recevez la paix du Christ et que sa parole s'accomplisse dans vos vies, dans le nom puissant de Jésus. On se retrouve jeudi dans les directs de sensibilisation et le samedi prochain. Mais gardez la connexion. Notre clip est sorti. Allez partager ça avec vos amis. Allez partager, jouez partout où vous allez. Même si quelqu'un s'ennuie, propose-lui d'écouter cette parole. Le Seigneur va se servir de cette parole pour bénir cette personne. Et partagez la vidéo avec toutes les nations, toutes les promotions que vous pouvez faire. Partagez-les. Si vous avez besoin qu'on vienne payer, faites-nous signe à notre numéro WhatsApp. Nous serons là. Et aussi les affiches que nous allons partager. Restez avec nous et partagez énormément. C'est tout ce que vous pouvez faire. Nous avons besoin de votre soutien financier aussi. Nous avons besoin de promouvoir ces chansons. Il faut payer 1 million par exemple à Trestive pour qu'ils jouent cette chanson. Il faut payer 500 000 ici, il faut payer 300 000 là. On a besoin de tout ça pour que la chanson puisse atteindre la masse. Donc investissez dans ce beau terrain. Le Seigneur va vous le rendre. Le Seigneur va vous le rendre. Ok, investissez. Nous avons besoin d'acheter des équipements pour le studio. C'est ici qu'on a produit Les Montagnes Disparaissent. Avec ça. Avec tout ça. Avec ce qu'on a là. Ça veut dire que si on a plus, imaginez ce qu'on va faire dans les nations. Donc investissez. Vous voulez bénir Dr. Ray, appelez notre numéro 10. J'ai 500 dollars pour Dr. Ray. J'ai 1000 dollars pour Dr. Ray. J'ai 2000 dollars pour l'aider à acheter son ordinateur. Nous, le Seigneur va vous bénir. Nous méritons tout cet argent que vous pouvez nous donner. Ne soyez pas pingre, togolais. Quand on demande l'argent, sortez l'argent. Quand vous sortez l'argent, vous recevez en retour. Il n'est pas question, c'est normal. Vous voulez qu'on vienne ici vous dire, si vous semez 10 000, le Seigneur va vous dire, qui vont semer 50 000, qui vont semer. Tout ça, c'est des mensonges, des manipulations que les gens demandent. Parce que vous ne donnez pas libéralement. Ils sont obligés de venir attacher ça à quelque chose pour que vous donniez. Quand on fait les programmes de 3 jours dans votre église, on fait les appels de fonds. Vous n'avez pas le choix. Parce que l'homme de Dieu a déclaré, si tu donnes, tous ceux qui vont venir donner, ils font quelque chose, ils font quelque chose. Et puis vous allez tous donner. Parce que vous ne donnez pas libéralement. Quand on dit seulement donner, vous ne donnez pas. Non, apprenez à donner libéralement. Qu'on ne vous force pas. D'accord? Aujourd'hui, si vous me donnez 20 000 dollars là, même c'est petit pour les projets que j'ai cette année. Si quelqu'un vient me donner 50 000 dollars, même c'est petit pour les projets que j'ai. Je vous dis la vérité. Du coup, même si c'est 5 dollars que tu as, n'hésite pas, mets ça dans la cagnotte. Même si c'est 2000 francs que tu as, quelqu'un a donné 2000 francs à nommer la dernière fois patrimoine. On a réussi, on a. Imaginez 100 personnes qui donnent 2000 francs, ça fait combien? 200 000. C'est beaucoup. N'hésitez pas. Ne dites pas que c'est pas beaucoup. Ça doit être 500 dollars avant de donner. Même si une personne qui donne 2000 francs, ça fait combien? 200 000. C'est beaucoup. N'hésitez pas. Ne dites pas que c'est pas beaucoup. Ça doit être 500 dollars avant de donner. Même si. Ciao, ciao. Que Dieu vous bénisse. Donnez-nous l'argent, s'il vous plaît. Thank you, love. Love you all. Bye.